pointe là. Merde. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Nice, ça fait quelques jours qu'on est en road trip et on a eu quelques petites galères. On a découvert un peu de rouille sur le camion, du coup c'était pas ouf. Petite surprise, on s'est dit tiens, on a un bidon qui fuit, notre bidon d'eau qui était là. On l'a enlevé et on s'est dit bah on va regarder en dessous s'il y a de l'eau. En dessous c'est le tapis là. C'est terrible. Du coup on a remarqué qu'il y avait genre plein de rouille. C'est la petite surprise du début du trip là. On va essayer de s'occuper de ça. Mais là on a repéré un petit spot dans un parc et on va aller bouger tout de suite. On arrive au spot. Yeah, il fait beau. Premier training du trip. On est à Nice là, sur le spot de la tête carrée. On l'appelle comme ça parce qu'il y a une tête carrée. Voilà, bah, je suis pas cool. Je suis pas l'office de tourisme. T'as une nouvelle coupe en plus là? Ouais, j'ai une nouvelle coupe. Il est brand new. À chaque trip en fait, j'ai une nouvelle coupe. À un moment, je serai chauve, mais on verra. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? On a repéré un petit side press avec Mehdi. On va essayer de se chauffer à le faire là. Okay. Donc, du coup on a fait des petites preps, donc maintenant faut l'envoyer. Ah oui. La partie un peu plus mentale. Ouais, je vous le val. Moi je repars, ouais. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de... Yeah. J'ai eu de la chance en vrai. Mais là c'est vraiment des pointes là, sur un show en game des Ding. Ding ding ding, ding. Les chevilles solides. Heureusement que t'es un athlète et que tu fais beaucoup de renforcement musculaire hein. Ok, j'ai trouvé une petite line avec le side press. Ça peut être sympa. En gros je fais side press, ensuite je fais un petit passement là, un petit passement là. Ensuite je me débrouille pour aller dans l'herbe d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, dump cork dans l'herbe. Flat, je suis pas sûr de le piler. Mais on va essayer. L'important c'est d'essayer. Allez. Là c'est fou en vrai parce que on est en février et genre il fait 16 degrés à Nice, le temps c'est vraiment, ça déconne pas là, j'ai l'impression qu'on est en été, c'est incroyable. Il y a Olo qui nous a envoyé des petites choses à tester, du coup on les a emportées en Italie pour les tester pendant un mois et on va vous dire ce que ça donne. Mais elles ont l'air cool, elles accrochent bien et tout, j'ai hâte de tester ça. J'ai repéré un petit log gap, là en fait il y a un escalier qui descend et genre il y a un bon gap de 12 pieds, je pense que ça peut le faire. Ah, ça me fait plaisir là. Petit log gap pour commencer le road trip. Ça régale. Si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas, les petits pulls qui sont sortis, édition limitée, ça va partir très vite. Mais il n'y a pas longtemps, c'était l'anniv de Mathieu et du coup j'ai décidé de lui faire une petite line surprise pour son anniv. Et du coup ça va commencer par le petit chapress. Après je vais tout droit et c'est lui qui va découvrir ce que je vais faire. Ah, je suis gâté hein. Franchement ça régale. Vous êtes sur le tournage d'un grand film là. Attention. Mais on est des vedettes, c'est normal. Ah bah oui. Magnifique. Ah, j'étais pas prêt pour le petit Lloyd. Il est chaud parce qu'il a grave bien enchaîné le chaplonge et le Lloyd et du coup ça rend trop bien. Je suis fan. Si vous voulez le faire, moi je filme, y'a pas de soucis. Oh là là, alors
ça, bravo. Hein. Là, là. Ça, je pense que je peux ça. Là, ça, on va essayer. Hein. Ça, vous pouvez. Ça, on peut. Ça, c'est faisable. C'est bon pour l'arthrose. Les genoux un peu, ben, les, la petite pause. Alors, chaprice. En soi, pas énorme. Mais la config fait que bah, c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'élan en fait. Ça veut dire qu'il y a vraiment deux pas pour essayer de générer toute la vitesse possible pour arriver sur le mur de l'autre côté. Et là, c'est un peu chaud. Je pense que ça le fait, mais c'est toujours dans la tête quoi. Ok, ça va. Je l'ai éclaté. Ça fait plaisir. En vrai, je m'y attendais un petit peu. Mais il y a toujours une part de doute qui est vraiment dure à surmonter. Mais là, ça l'a fait. J'ai fait un scoot de foule. Et ça, ça fait au moins 2 ans. Flo, comme vous le savez, hein, il y a toujours son genou qui merde. Je vais me faire réopérer le 30 mars pour un nettoyage du genou. J'ai l'impression que je vais chez le garagiste. Il a sa carte fidélité maintenant pour l'hôpital, ils le connaissent. Ça me terrifie moi d'entendre ça alors que je suis en train de faire ma line. Mais non, mais regarde, c'était à portée de la Sephore. Mais non. Ce mec-là, il a mal au genou. Bon, allez. Oh, Jérém. Allez, Jérém, ça part. Ouais, ouais, allez. Jérém, t'as la pression là. Un petit check avec Roger. Un petit check. On donne de la force. C'est parti. Ça part. Allez, Jérém, y'a pas le choix là. Allez, Jérém. Vous partez comme ça, sans donner d'avis. Ils ont juste applaudi. Non, c'est de l'irrespect, ils sont partis sans la fin du spectacle. C'est quoi ce délire là? Oh putain, je suis tellement énervé à la fin. Faut que je me calme là. Ok, c'est bon, je suis redevenu moi. Faut continuer comme ça, c'est mieux, hein. C'est bon. Bien sûr. Non, pour moi c'est difficile. C'est vrai? Ah oui. J'ai envie de le faire, mais je ne vais pas faire. Vous voulez essayer? Non, moi, non, non, moi il lâche. Moi, 54. J'arrive à pas faire. Ah oui, tu ne le fais pas. J'arrive à pas faire. Mais je suis content quand même. Je suis content, je suis trop content. On va faire la line à 4. En vrai, ça va être galerie. Let's go. C'est des bars. En plus, là, en batterie, il y a des gens qui prennent leur chien. Je sais pas, on va t'arrêter peut-être sur un Shiba ou un truc comme ça. Faut qu'il n'y ait pas. Vas-y, pour finir, vite clair, belle et sèche. Ça, il est rondette de poule. C'est pas mal. What? What the fuck? J'adore. On fait des variantes, mais c'est la fatigue là. En vrai, c'est le fin de training. Je sais même pas pourquoi je traîne encore là. C'est la merde. En vrai, il y a eu du soleil. C'était un bon training. N'hésitez pas à aller voir le shop. On voit une nouvelle collection, je l'ai pas sur moi. En vrai, on s'est bien amusé. Le spot était vraiment cool. Et le soleil était présent pour une fois. Ça fait plaisir. Chacun a fait ses petits objectifs, ses petites lines, c'est sympa. Et là, on va essayer de trouver un petit endroit pour caler les tentes et se reposer pour après attaquer l'Italie. Pète la gueule le soleil. J'étais pas du tout prêt. Genre moi, dans ma tente, il fait noir en fait. Mais c'est stylé comme endroit. Il faut démonter les tentes avant de se faire lièvre. Salut.
C'est quoi ce petit spot là? Genre il y a plein de petits murs en béton. C'est fait pour nous ou quoi? C'est un petit spot de parcours. En tout cas on va bouger dessus tout à l'heure. Juste avant le lever du soleil, j'ai eu un petit peu froid, mais après j'ai mis une petite laine et après c'était bon. Il vous faut quoi de plus? Un chauffage dans votre duvet. Moins 9 confort, ils sont pas bien dedans. Oh, je suis dans un zion. C'est le retour de la vie d'artiste, la Dolce Vita. Bon, aujourd'hui c'est une nouvelle journée qui commence et hier en cherchant un endroit pour installer les tentes, on est tombé sur ce spot qui a l'air vraiment cool. Du coup on va essayer de voir si on peut bouger et si on peut faire des petites lines. En fait on a dormi sur un espèce de petit spot au bord de la mer et il y a plein de petites terrasses pour que les gens de l'hôtel derrière moi ils puissent mettre leur petit transat et du coup ça crée un spot grave stylé. Donc là on va essayer de bouger dessus tous ensemble, c'est parti. Par contre hier on a fait une grosse session, du coup on est tous un peu morts. Donc je sais pas si on va faire des dingueries mais au moins c'est trop cool d'être là et de découvrir des endroits comme ça, ça fait plaisir. Non mais en vrai c'est le meilleur spot de la côte là. Genre t'as des cypress partout, moi c'est mon paradis. Et t'as des putains de vagues, t'as la Méditerranée. Ah là là. Ah moi je demande pas mieux. Je demande pas mieux. Il est dur à stick celui-là. Mais en vrai, je pense que c'est un moyen de pop cypress en vrai sur l'autre mur. What? Ouais. What? Pour déconner, mais en fait non mais le soleil là je l'attendais en fait à Rennes, j'avais plus de motif, mais là le soleil il fait du bien, il motive tout le monde. Ça va, le dossier est réglable, il s'installe son petit setup. Voilà, allez. Bah allez, à tout à l'heure les enfants. On lui a dit que c'était les vacances, il a vraiment cru. Hein. Faut bouger! J'ai rien à dire, je vais faire la line. Let's go. Allez. C'est validé. Oh, let's go. Ça fait trop plaisir. Incroyable, j'adore la vie là. Putain. C'est tellement la meilleure life. Je suis trop refait. Bon là c'est une fin de session et le spot il est vraiment cool au bord de la mer là, on s'est régalé et pour fêter la fin de session bah je crois qu'on va tous sauter dans la piscine, ça va être cool. Je suis pas prêt à rentrer dans l'eau là, c'est bon. On va voir. J'avoue j'avais oublié qu'on allait rentrer dans l'eau à la fin en fait. Oui, hein. Ça va être chaud. J'ai pas tout oublié, hein, vite fait dans les petits POV. Oh putain, à la fin je finis dans l'eau. Oh
elle est tellement fraîche. Mais bon, en même temps, on est en février. On peut pas s'attendre à mieux. C'est déjà trop bien de se baigner et qu'il fasse si beau là, c'est incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, ce sera en Italie. On va envoyer du lourd là pendant un mois. Ça va faire bien kiffer. On se donne rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao !